Il s'agit de. Vous avez pas les standards sur ce Une site-là? 19-61. Oui, pardon. Donc, on a deux standards différents. Alors, maintenant, suivons la course. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, Alexandre Lévesque qui prend la tête du premier peloton intérieur, mais qui se fait reprendre par les hommes de McGill. Alors, Bussière en avant de Boudreau, proche de la caverne, au premier virage, au deuxième virage. Alors, les hommes vont se rabattre. Alors, Bussière, Boudreau en avance, 25 secondes. Alors, temps très rapide pour ce premier tour. Lévesque qui suit les trois hommes de McGill, qui se retrouve au centre. Alors, Bussière qui semble voler la piste à la caverne. Est-ce que Mathieu Boudreau va être capable de se maintenir? Et Alexandre Lévesque en arrière essaie de rabattre. Il essaie de reprendre sur les trois gars de McGill. 52. Boudreau qui s'accroche à la foulée de Bussière. Ce sera très serré dans ce dernier tour. Alors, très serré aussi pour la troisième position où Lévesque bat très fort pour essayer de battre les trois hommes de McGill. Alors, Bussière, Boudreau juste derrière lui. Allons-nous assister à un sprint. Boudreau qui essaie de passer. Bussière. Et c'est un temps de 1:21 pour les deux hommes. 1:24 pour Lévesque. Alors, course enivrante. Alors, Boudreau qui a réussi à s'accrocher à la foule.